Ceci est une information qui circulait depuis un petit moment déjà et l'information vient d'être confirmée. L'une des plus grandes stars du Tour de France vient d'abandonner le Tour de France pour se rendre au chevet de sa femme, sur le point d'accoucher. Il y a des moments dans la vie où plus rien d'autre ne compte que la famille et c'est exactement ce qui vient d'arriver à l'un des coureurs les plus populaires de cette édition 2023 du Tour de France. À 28 ans, Wout Van Aert fait partie des cadors de sa discipline, vainqueur de 9 étapes dans sa carrière sur la grande boucle et s'il n'a pas encore remporté de course cette année, il est très précieux pour son leader. Jonas Vingegaard, actuel maillot jaune et désormais immense favori pour la victoire finale. Malgré ces bonnes nouvelles, Wout Van Aert vient de quitter précipitamment le Tour de France, mais pour une raison qui ne nécessite pas d'explication. Le coureur belge est parti rejoindre sa femme, Sarah Deby, qui est sur le point de donner naissance au deuxième enfant du couple. C'est un sentiment étrange mais ce n'est pas un dilemme, la décision a été facile à prendre, explique le sportif dans une courte vidéo tournée et diffusée par son équipe, Jumbo Visma, ce jeudi 20 juillet. J'ai toujours su que je rentrerai à la maison lorsque ma femme me dirait qu'elle a besoin de moi. Ce moment est venu. Mes coéquipiers comprennent ma décision et sont à 100% derrière moi, ajoute celui qui a collectionné les places sur le podium cette année. Wout Van Aert n'a jamais caché ses intentions avant le départ du Tour de France. Wout Van Aert n'avait pas caché la possibilité qu'il puisse quitter ses coéquipiers à tout moment. Je tiens compte du fait que je pourrais rentrer à la maison à tout moment pendant le Tour. Je ne veux absolument pas manquer la naissance de notre enfant, déclarait-il au quotidien belge Nieuwsblad. Pourtant, le 12 juillet dernier, Jonas Vingegaard assurait en interview que son fidèle lieutenant n'avait aucune intention de quitter la grande boucle. Je peux vous dire qu'il ne va nulle part. Il reste ici avec nous, lâchait-il, visiblement très sûr de lui. Il était d'ailleurs rejoint quelques instants plus tard par le coureur belge lui-même, « Non, je ne rentre pas encore à la maison. » Mais visiblement, l'envie d'être auprès de sa femme était trop forte pour Wout Van Aert, qui vient de faire ses adieux au Tour de France.